Cette chambre a accueilli des voyageurs des quatre coins de la France et même du monde entier. Pourtant, nous ne sommes pas dans un hôtel, mais chez Amélie. Par souci de discrétion, elle souhaite rester anonyme. Locataire de ce 40 mètres carrés en centre-ville de Tours, elle s'est inscrite sur Airbnb il y a 2 ans. Passer une nuit chez Amélie coûte 36 euros, petit déjeuner et drap compris. Les touristes sont les plus demandeurs, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a des professionnels, en fait, des gens qui viennent pour le travail, du coup, et plutôt que d'aller à l'hôtel, parce que bah, ils y vont souvent, ils préfèrent louer un appart. Là, au mois de juin, il y a énormément de demandes pour ceux qui viennent passer des concours sur Tours, du type le CAPES ou d'autres. Donc ça, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont fait les demandes. Et il y a même des gens qui louent leur maison par Airbnb et du coup, qui viennent chez moi pendant que leur maison est louée. Il y a tous les atouts dans cette ville pour le faire. Après, je pense que c'est plus simple pour moi qui suis, on va dire, célibataire. Mais pour une famille, c'est plus compliqué, il faut se reloger. Chaque mois, la jeune femme touche entre 150 et 250 euros, soit la moitié de son loyer. En Indre-et-Loire, le site d'hébergement rencontre un franc succès, du clic-clac à 16 euros dans le Vieux-Tour, à la maison d'architecte à Saint-Avertin pour 350 euros la nuit. Au total, 600 offres sont postées sur le site, avec un pic d'inscription ces 2 dernières années. Et si les hôteliers s'affolent de cette concurrence, pour l'agence départementale du tourisme, ces chiffres sont synonymes de bonne santé pour la destination. On devrait s'inquiéter si notre destination était absente d'un réseau et d'une plateforme comme Airbnb. Ça veut donc dire qu'il y a une attractivité et puis ça crée et ça suscite de nouvelles clientèles qui profitent de cette offre pour venir découvrir notre destination. Contacté par notre rédaction, Airbnb tient à rappeler que la loi Allure officialise le fait qu'aucune autorisation de la mairie ou de la copropriété n'est nécessaire pour les personnes souhaitant louer leur résidence principale. Lorsque l'on est locataire, l'autorisation écrite du bailleur, elle, est obligatoire.